Salut, c'est Boisdin. Et Boisdeux, c'est moi. Aujourd'hui, on va vous parler de Astérix et la Transitalique. Pas du tout. Non, on va dessiner. Ah, parce que Astérix, on a déjà parlé des deux tomes précédents. C'est vrai. Donc ça ne sert à rien qu'on vous parle de celui-là. Allez, si. Un avis en 10 secondes. C'est le meilleur des trois. Voilà, c'était notre avis sur Astérix et la Transatlantique. Transitalique, pardon. Voilà. Mais que va donc, hein? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on dessine? Mais oui, on va dessiner, c'est un 2 minutes pour dessiner. Mais oui, c'est un 2 minutes. Vous pensiez que c'était mort, que cette émission n'existerait plus jamais? Eh ben pas du tout, c'est juste que ben, on a voulu faire autre chose, etc. Mais voilà, retour des 2 minutes pour dessiner, en mode nostalgie. On a sélectionné un commentaire sur la dernière vidéo qui date de 6 mois. Waouh, 6 mois quand même. Comme quoi, ça fait très longtemps. On a sélectionné donc le commentaire de Asem, dessin animé, 2 minutes pour dessiner Obélix qui fait du moonwalk sur un menhir. Et toi, comment va-t-on faire pour dessiner? Eh ben toi, tu vas dessiner sur tablette, parce qu'on n'a pas plusieurs caméras, comme ça tu seras enregistré sur ton écran d'ordinateur, et moi je dessinerai face à la caméra sur une feuille de papier. C'est très bien expliqué, comme ça tout le monde est content. Ceux qui préféraient le tradi, il y aura du tradi, ceux qui préfèrent la tablette graphique et la tablette graphique, et voilà. Tout le monde est content. On y va? C'est parti. Allez. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour Obélix. Obélix. Alors, il y a un gros nez, une grosse tête, il y a un chapeau. Ah, j'ai trouvé un truc, ça fait tout. Mais non, Photoshop de merde. Il y a des tresses. Est-ce qu'il a des cheveux derrière par ses tresses en fait? Oh, j'aime ses cheveux. Il a des oreilles, vous êtes sûr? Il a pas de cou. Il a sa moustache. Il reste combien de temps, Louis? Il reste 1 minute. Merci Boisdeux. J'ai à peine en fait. On va accélérer. On aime tout venir. Pourquoi j'ai fait ça? Il n'y a pas de vêtements. Trente secondes. Ça c'est bien. 13 secondes. Bah, finalement, on va dire que j'ai réussi. Top! Voilà, j'espère que ce 2 minutes pour dessiner à l'ancienne vous a plu versus. Boisdin, que peux-tu nous dire sur ton dessin? Mon dessin que je vois ici, mais que je vous affiche à peu près ici, j'ai tout donné. Vous l'avez sûrement vu, dans la position de départ, hein, donc dans le casque, etc. Et la main comme ça qui fait très Michael Jackson. Et ensuite il me restait 1 minute. Donc là j'ai moins donné, j'ai un peu moins donné. Le menhir il est fou. Le menhir il est incroyable. Le menhir il est incroyable. Je ne saurais pas que c'est un menhir, je crois que j'aurais pas dit. C'est pas son plus beau. Voilà. C'est pas le chef-d'œuvre d'Obélix. Voilà. Mais sinon, on reconnaît la position et je suis très fier de mon coup du voilà, ça change tout. Oui, le tien, j'ai particulièrement aimé les gros bras que tu as mis du temps à faire avec les muscles. On voit bien le détail des muscles, des doigts. Vraiment, on est. Mais attends, mais même dans Asterix Obélix, il a jamais eu de muscles. Obélix. Non, mais voilà. En même temps, ça fait longtemps que j'avais pas fait un 2 minutes pour dessiner et je me suis encore rendu compte qu'en 2 minutes, c'est chaud. On doit dire adieu à plein de détails. C'est chaud. Du coup, le tien, Boisdeux. Le tien. Moi je suis parti sur un truc très simple et très mignon. Du coup là on est pas du tout sur les gros bras. Non, voilà, on est sur un Obélix enfant, on vient de te dire. On voit pas forcément qu'il fait de moonwalk par contre. Bon, tant pis. On dirait qu'il marche sur son menhir, je t'ai dit. Le menhir il est mieux fait.
J'ai même mis une petite couleur, voilà. Le mec s'est permis une couleur. Pour stylé. Alors que, en fait, ce que j'aurais dû faire, ce que je regrette d'avoir fait, c'est l'ombre d'Obélix sur le menhir. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Non, en fait, t'aurais dû mettre le bleu sur sa tunique aussi. Et ouais, il y a mais du bleu sur sa tunique. Mais, ouais. Mais sinon, très bien, dans un style complètement différent. C'est un style, c'est ton style. Voilà, on reconnaît la différence entre Boiteux et moi-même. C'est merveilleux, c'est beau. Que dire de plus à part de mettre un gros pouce vers le haut, de vous abonner, de partager. Et dites-nous lequel vous avez préféré, évidemment. Oui aussi, dites-nous lequel vous avez préféré en commentaire. Faites des propositions pour le prochain qui aura peut-être lieu un jour. Dans 6 mois. On verra, mais de toute façon, on prendra l'une de vos propositions s'il a lieu un jour. Et mangez des frites.